Bonjour à tous, donc je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Tintamarre. Nous recevons aujourd'hui, dans ce cadre somptueux, donc le CEP du Prieuré à Saint-Péray, le groupe lyonnais Charlie Tango qui vont nous interpréter une première chanson en live, en acoustique. Merci à Charlie Tango. Charlie Tango, donc pour ce titre acoustique là. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Charlie Tango, est-ce que c'est un groupe, une personne ? Eh ben écoute, c'est une question, c'est une bonne question. Charlie Tango, c'est quand même un personnage, je crois, à la base, qui a été créé autour de mes compositions. Donc j'écris et je compose les titres. Après, par contre, c'est une vraie histoire d'équipe et avec des musiciens et des forces communes qui se greffent un peu au projet, quoi. Donc c'est une formule à géométrie variable, on peut dire. On peut dire ça parce qu'il y a plusieurs formules. D'accord.
Après, la plus commune et la celle qu'on est amené à jouer le plus souvent, c'est quand même la Formule A2 avec Pierrig. Et il y a effectivement, il y a quatre formules. Donc il y a une formule solo, duo, jusqu'à quatre, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Donc alors pour tous nos téléspectateurs, donc toi Sébastien et Pierrig, vous êtes une des formules les plus réduites. Et après, vous pouvez aller jusqu'à quatre. Moi, je me souviens vous avoir vu à quatre avec batterie, violoncelle, ouais, violon et guitare chant. Complètement, donc avec du coup bah, des musiciens, un violoncelle, voilà, et puis une batterie. Donc, ouais, bah voilà, enfin, je répète ce que tu as dit, mais effectivement, c'est ça. Super. Quoi. Donc, alors, donc vous êtes de Lyon, ouais. J'ai dit tout à l'heure. Donc, vous commencez à bien tourner à Lyon, vous avez une certaine notoriété. Comment ça se passe un petit peu là? Vous êtes en développement, il y a des choses qui arrivent Bah là, écoute, il y a des chouettes dates là qui sont tombées. Une particulièrement, donc avec la SACEM et le chantier des Francofolies en fait. Super. Donc ça c'est vachement bien, ça se passe au Train Théâtre aussi, donc c'est vraiment une bonne. On est très content du coup d'accéder un peu à ce fief de la chanson, quoi, de la région, quoi. C'est évident que le Train Théâtre à Porte-les-Valence c'est quand même une super salle. Ouais, et donc là ça se passe, on vient de sortir notre deuxième EP, donc qui a été fait du coup avec David Granier. Qui est de la région, qui a vraiment pris en main la confection de ce disque. Donc d'accord. On est très content. Donc on attend de voir un peu ce qui va se passer. On est aussi en période de démarchage. Ok, voilà. Super. Alors, donc là on a vu Pierrig au violon. Donc je voulais juste savoir un petit peu pour quand il y a tout l'orchestre, est-ce que ton rôle change? Ou alors c'est un petit peu les mêmes parties que tu as? Ou comment ça se passe pour toi? En fait, ça simplifie un peu mes parties. C'est-à-dire que je garde en gros la même structure. Donc d'accord. Je suis toujours au violon, au clavier. Mais c'est vrai que ça me permet de, tout en étoffant l'arrangement, pouvoir simplifier mes parties de violon. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des doubles cordes, du coup, on se partage les parties avec le violoncelle. D'accord. Et au lieu d'avoir des samples de batterie, bah, du coup, c'est David à la batterie qui joue en live. Ce d'accord. qui donne un meilleur son, un meilleur rendu. Et qui, moi, me simplifie vraiment la tâche, quoi. D'accord. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on essaye de respecter l'arrangement, que ce soit n'importe quelle formule, sinon. Super. Donc, alors, tout à l'heure, tu parlais de l'EP. Ouais. Alors, je vous invite à pour tous donc découvrir cette EP, Les Deux Silences. Super, donc, réalisé par David Granier, Fabien Salzy, au studio Étable, au-dessus de Tournon. Donc, moi, j'adore. Donc, je vous le conseille. Hein. Merci, Pascal. Donc, là... l'EP, et je vous invite donc à découvrir le clip, donc Les Deux Silences. En tout cas, merci, on vous souhaite vraiment une bonne route. Merci à toi, plein Pascal. De concerts, tout le meilleur qu'on peut. Merci, on va essayer, on va faire le max. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. J'ai deux silences, il y a le mien, celui des autres. Tout là-bas, on danse. On s'extasie des jolies roses. Je suis traqué par un miroir qui m'assassine. Désabusé, elle est pas jolie la vitrine. À nos filles, à la tienne, celle qui nous emmène au matin. À mes sourires, à mes sirènes. Toi, mon frère, tu le vaux bien. Tu sais, j'envie la mort. Elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis le sort qui fait tomber tous mes sourires. À nos filles, à la tienne. J'ai deux amours. Il y a le tien et puis le mien. Celui qui court, celui qui jamais me revient. J'ai deux discours et juste un seul où je vais bien. Celui du jour, celui qui jamais me revient. Mais à nos vies, à la tienne. Celle qui nous emmène au matin. À mes sourires, à mes sirènes. À toi mon frère, tu le vaux bien. Tu sais, j'en vis la mort. Elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis ça qui fait tomber tous mes sourires.
celle qui nous emmène au matin, à mes sourires, à mes sirènes, à toi mon frère qui le vaut bien. Tu sais j'envie la mort, elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis le sort qui fait tomber tous nos sourires. À nos vies, à la tienne. À nos vies, à la tienne. À nos vies, à la tienne. Ici au Salon Prieuré, en compagnie donc de Mélissa. Bonjour. Donc de l'OMAC. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mission de l'OMAC? Parce que donc, le but de voir un petit peu ce qui se passe sur cette commune de Saint-Péray, donc vous êtes donc partie intégrante de la culture, de ce qui se passe. Exactement. Donc on est l'office municipal d'animation culturelle et on gère tout ce qui est animation, spectacle sur la ville pour développer la culture sur Saint-Péray. D'accord. Donc, pour ça, vous êtes affilié à la mairie ou comment ça se marche, une association Donc, c'est bien office municipal. Donc, on est subventionné par la mairie avec du personnel de la mairie. Mais c'est une association qui prend ses propres décisions. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les principales manifestations qu'il y a tout au long de l'année ici à Saint-Péray? Donc, aujourd'hui, on a Saint-Péray Fête l'été. Donc, toujours début juin pour clôturer le Festival de l'Enfance de l'Art, avec des animations pour les enfants l'après-midi et puis des spectacles musicaux le soir. Et la plus grosse manifestation de l'année, c'est la Fête des Vins et du Jumelage, donc le premier week-end de septembre. Cette année, le 5, 6 et 7 septembre, avec plein d'animations autour du jumelage, du vin et de la musique. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mélissa de rien. Nous avoir expliqué un petit peu la mission de l'OMAC. Merci à vous pour votre attention pour cette nouvelle émission Tintamarre. Donc, je vous retrouve dans quelques semaines pour de nouveaux artistes à découvrir. Merci beaucoup. www.dromardèche.tv